Bonjour à tous les amis, c'est Archidan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, la suite de l'aventure en hardcore. Comme vous le voyez, j'ai mon armure en fer, je l'ai faite hors vidéo, comme ça on avance plus vite. Donc pour cette vidéo, dans les ténèbres, on va rentrer en territoire monstre en allant dans les grottes. Donc comme vous voyez, j'ai mon petit bouclier, mon épée, des pioches, du pain, je me suis paré pour aller combattre dans leur territoire. Le but est bien évidemment de trouver de l'obsidienne, donc du diamant. Et ensuite, pour se préparer à l'épisode 3 dans lequel on ira dans le Nether, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pas trop étudié. Donc, comme vous le voyez, le minage m'a demandé pas mal de temps. J'ai vraiment exploité au maximum. Donc, si ça se trouve, je mourrai dans cette vidéo et ce sera tout simplement alors la fin de la série. C'est ça le risque, mais... L'avantage c'est que si je meurs, et ben comme ça je pourrais commencer plus tôt la nouvelle série sur Décimation. Étant donné que j'ai très hâte de la faire, je vais publier les épisodes de cette série beaucoup plus vite que à mon habitude. C'est-à-dire que je risque de les poster. Attendez. Squelette. Le faire quand même si c'est pas mon objectif. Donc cette vidéo va se passer essentiellement dans les grottes. Si ça se trouve je vais mourir, mais je ne mourrai pas sans combattre. Ok, y a rien ici. Regarde une petite flèche. Oh, creeper. Ça m'arrange pas. Attendez, je vais juste me faire un arc parce que j'y ai pas pensé. Et vu que j'ai quelques flèches en réserve, il me sera quand même assez utile avant que je sois trop loin dans le lit. Je vais autant en faire un maintenant. Merde, wow. Wow. Ma souris elle a déconné là. Ok, donc à la place de ça. J'ai plus de flèches que ça, j'en ai que deux. Bon, tant pis, au pire, il y aura des squelettes que... Okay, bon, allez, c'est reparti. Adieu ma maison, j'espère te retrouver bientôt. Ou peut-être jamais. Oui, parce que, en fait, peut-être que je ressortirai totalement. Donc, je sais pas si je reverrai un jour ma maison. Et je me suis couru d'écouter. Donc, cette vidéo, une demi-heure, comme à mon habitude. Vous commencez à connaître la routine. Attendez, je me souviens plus. Putain. Faut que j'arrête de flipper au moindre bruit de mob. Attendez. Où est-ce que je suis allé? Si, j'étais bien du bon côté. Oui, justement, j'étais bien du bon côté. Ok, il y avait un creeper là, ça m'arrangeait pas trop. Oula. Pas m'enfoncer dans le noir comme ça. Ok. Ok, rien ici. Je torche quand même la zone. Hein.
Déjà que je stresse de base dans les grottes, alors vous imaginez un peu comment je stresse vu que je suis en hardcore. Ah non. Là, je pense que je vais être obligé de creuser un peu parce que je crois qu'il y a une grotte juste à côté. Qu'est-ce que je disais? Juste au-dessus le squelette. J'ai un peu peur là par contre. Savez quoi? On va laisser ce squelette là où il est. Et on va continuer. Mais je crois qu'en fait il est devant. Ou alors c'en a un autre. Il y a de la lumière, je suis retombé sur mes torches. Est-ce que ce serait un truc qui tourne en rond? Ah non, c'est bien de la lave, donc ça me rassure. Attendez, je vais condamner cet endroit. Parce que, étant donné que je vais descendre tout en bas, vaut mieux pas que je sois dérangé. Alors, on va déjà boucher ça. L'eau, ça dégage. Obligé d'enlever toute la lave une par une. Bon, le seul avantage c'est qu'au moins c'est sûr qu'il n'y aura pas de monstres en bas étant donné qu'ils se seront tous fait cramer. Parce qu'il n'y a pas de monstres qui résistent. Donc normalement, au final, cette série durera que 3 épisodes. Hein. Donc le dernier ce sera où j'irai dans le Nether. Donc je ferai une vite exploration, enfin une vite, une demi-heure d'exploration dans le Nether. Ah oui, merde, je suis con là par contre. Il va falloir que je mette des torches, sinon j'ai plus rien y voir. Attends, je mets... Attends, s'il y a un squelette là, par contre, je suis mal. Parce que il va me push. Ok, on tombe pas. On continue. En bas. C'est cool, ça me permet de descendre vite profondément. Si je pouvais avoir une armure en diamant aussi pour aller dans le Nether, ce serait... Ça aiderait beaucoup. Putain, je suis loin, ce... Donc désolé si je parle pas beaucoup, c'est vraiment je suis flippé. C'est un lac de lave. Non, non, c'est juste. Ça prend des années à couler la lave. Attendez, dites-moi pas qu'il n'y a rien en bas. Mais faut que j'ai le réflexe de mettre des torches par contre, sinon ça va pas le faire. Oh bah parfait! Les amis! Non, pas parfait! Parce que tout simplement qu'il me faut une pioche en diamant. Mais en tout cas, ce qui a l'avantage, c'est que j'ai un puits de mine. Et là, en plus, je sais pas quelle couche je suis. Comment je fais déjà? Bon, je sais plus comment je fais, mais par contre, du coup, je vais creuser tout simplement un peu autour. Et normalement, je suis à la couche du diamant. Ou non, peut-être il va falloir que je descende un peu plus. Mais en tout cas, là, j'ai un beau gisement d'obsidienne, pardon. Donc ça, c'est cool déjà. Autour du lac de lave, je pense qu'il continue. Ouais, au moins ça me permet de pas avoir besoin de lumière. Je vais plutôt utiliser les pioches en pierre pour l'instant.
pense qu'au final, je bougerai pas de ma faille, hein. Ce sera ma maison jusqu'à ce que j'aille dans le Nether. En plus, elle est plutôt correcte. On est bien d'accord, les lacs de lave, c'est à peu près au niveau du diamant. Enfin, moi, je me parle à moi-même, mais je pense que c'est ça. Parce que c'est bien un lac de lave, ça, c'est pas le reste du machin qui a coulé, non? Attendez, je vais continuer à miner. Oh les amis, je voulais faire une liste, j'ai failli me faire tuer, il y a de la redstone ici. Ah, heureusement que je suis pas allé dans le trou. Heureusement que je suis pas allé dans le trou. Mais pas tout le temps. Ok, la redstone ne sera pas utile à grand chose, donc je vais continuer de miner. Ok, les amis, donc j'ai trouvé comment faire ça, donc c'est F3. Alors, je suis à la couche... attendez juste que je regarde parce que je suis un peu perdu, ça fait longtemps que j'ai pas joué sur PC. Je sais plus où c'est. Bon, je vais continuer à miner. Mais en tout cas, j'ai encore fait une capture d'écran sans faire exprès, super. Les amis, ce qui prouvait que j'étais à la bonne... regardez ce que je viens de tomber en minant un peu par là de la bedrock tout simplement, ce qui veut dire que j'étais bien à la bonne hauteur à la couche du diamant, donc on va continuer de miner à cette hauteur. Pour l'instant j'ai trouvé que de la redstone, ce qui m'aide pas beaucoup. Ouf. Attendez, je vais remonter, ça veut dire qu'il y a un lac juste là. Vraiment faire gaffe avec les lacs de lave, c'est un truc à mourir vraiment idiot. Ouh! À un bloc près, j'aurais été à la mauvaise hauteur, je me serais fait engloutir. Ok, on se sneak parce que en hardcore, tu tombes dans la lave, c'est fini. Hein. C'est vraiment idiot de mourir de cette façon après tout le trajet que j'ai fait. Ok. Apparemment, il est profond. Donc, on va creuser autour comme à mon habitude pour trouver du diams. Et ensuite, on reviendra en arrière, miner l'obsidienne. On fabriquera le portail et ce sera bon pour cette vidéo. Et donc, dans le Nether, mon but ce serait d'essayer de me faire un minimum de stuff en Netherite, mais ce sera surtout l'aventure qui compte. Donc, normalement, troisième épisode, si tout se passe bien dans cette vidéo, qui sera donc demain ou après-demain. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je commence une nouvelle série sur décimation. Enfin non, je sais pas si c'est dans cette vidéo parce que j'ai fait plusieurs prises. Je voulais vous montrer quand je minais mais c'était ennuyant et du coup au final j'ai pas posté la vidéo. Ce qui je pense est plus intéressant du coup. Ok, heureusement j'ai 3 pioches en fer. Je me suis préparé à aller dans les mines. Être obligé de redescendre apparemment. Ah c'est parce que je suis en stock. Okay. Et bah le diamant il est beaucoup plus rare qu'avant. Hein, enfin je pense, hein, après peut-être que j'ai des conneries, mais moi j'ai l'impression qu'on en trouve beaucoup moins qu'avant.
Ouais, donc la première vidéo était vachement calme, c'était de l'aventure, tranquillou. Et là, ça devient tout de suite plus sérieux. Je fais gaffe si j'entends pas des bruits de lave. Si, à ma droite. Je sais pas si c'est le même lac. Mais c'est pas une très bonne idée d'être sous la couche du lac de lave, je pense. Le diamant il est légèrement plus haut. On va dire que je vais miner à cet endroit là parce que. Et je vais arrêter de descendre. Putain! Partout des lagons là. Bon. Je vais vraiment creuser autour cette fois. J'espère que je me paumerai pas pour retourner aux chutes. Au pire, je ferai une coupure jusqu'à ce que je revienne chez moi. Énorme ce lac par contre. Ah, enfin le bord. Bon, ellipse, jusqu'à ce que je trouve un truc intéressant. Ok les amis, de l'or. Premier minerai autre que du fer et de la redstone que je vois depuis longtemps. Donc je le prends juste pour l'intérêt. Donc on jette la terre, on jette ça, ok. Ouais, donc rien d'autre pour l'instant. Oh, du lapis, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Donc en ce moment je suis en couche 11. Et c'est le premier vrai lac de lave sur lequel je tombe depuis une éternité. Par vrai lac de lave, je veux dire qu'il y a une grotte autour. J'ai plus qu'une dernière pioche. Si je trouve pas très vite du diamant, je vais être obligé de remonter. Pas chiant pour vous parce que vous aurez une ellipse, mais pour moi ça va être long. Il faut que je remonte, que je me refasse une hache, une pioche. C'est long, hein. C'est vraiment bizarre. Les diamants, j'en trouvais beaucoup plus avant. Ça doit être à cause de la nouvelle mise à jour et de la netherite. En tout cas, l'or. Apparemment, une fois que j'ai recommencé ma vidéo, on a beaucoup. Ok, donc je continue ma route. Alors, les amis, j'entends les bruits d'une grotte. Juste. Oh! Oh! Oui! Oui, du diams. Non, mais c'est pas possible là. Oh, punaise. Non, non, oui. Trop bien, yes, parfait, magnifique. Les amis, au moment où je recommence ma vidéo, paf, je pète un bloc, il y a du diams. Oui, par contre, il va falloir que j'enlève un truc, sinon je pourrai jamais avoir de diams. Non. Ok, les amis, 8 diams. Donc je vais encore pousser un peu jusqu'à ce que ma pioche se pète. Donc je ne devrais pas tarder à arriver dans une grotte, donc je vais pas arrêter ma vidéo. Il devrait y avoir un petit zombie.
pas loin, mais j'arrive pas à voir. Apparemment, il y a vraiment beaucoup de mobs. Du coup, les amis, je vais juste remonter à la surface, me faire une pioche, aller miner l'obsidienne. A tout de suite. Ok, les amis, de retour à la surface. Enfin, surface. Ma petite maison. Donc, on rentre pour se mettre en sécurité. Ouh, que de tension, que de tension. Alors. Donc, oui. Du diamant. Super, ça, très cool, très 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 nice, très sympa, très cool, vraiment tout ce qu'on aime. Ok, donc, je vais me fabriquer en priorité une pioche. Voilà. Ensuite, il me reste assez pour me faire. Je peux me faire des bottes ou un casque. Je pense une épée, ce me sera déjà plus utile. Et donc, une deuxième pioche. Ok, nice. Parfait. Donc, je vais aller miner ce petit obsidienne, fabriquer le portail, l'allumer, et j'arrêterai la vidéo. Je fais pas d'ellipse, hein. Je vais aller très très vite. Donc c'est un succès cette vidéo, je ne suis pas mort, j'ai tué quelques mobs. Par contre, je me suis toujours demandé comment les chauves-souris elles vivent là, genre. Avec tous les monstres qu'il y a, elles doivent. Ah oui, bien sûr. Et là, l'éternité qu'il faut pour prendre un bloc d'obsidienne, bien sûr. Et de 1, bon. Petit. Je pense que vous en doutez, petite ellipse. Ok, les amis, c'est bon. Les 12 d'obsidienne sont à moi. Donc je crois bien qu'il en faut 12. Au pire, j'en ai pris 12, comme ça, ce sera fait. Il faudra juste que je me fabrique un briquet et on pourra aller dans le Nether. Donc ça fait déjà une demi-heure que dure la vidéo. Ah, attention. J'entends un squelette. Est-ce qu'il pourrait... Est-ce qu'il y en aurait pas un qui aurait existé ? Il va y avoir une grotte juste à côté. Ah non? Attendez. Je suis où là? Ok, par là. Oh merde. Oh merde. Ok, je vais être obligé de me le faire. Yes! Ouh! Putain, j'ai eu peur là. S'il avait explosé, j'aurais eu les boules quand même. Même si je suis pressé de finir cette série pour commencer la série d'estimation, le creeper qui explose là, ça m'aurait pas aidé. Hein. Ok. Je crois que c'est ça. Je crois même que j'en aurais pas assez. Thank you.
sais plus si... attendez... Je crois que c'est ça, hein. Non, je crois qu'il est plus grand. Ouais, il est plus grand. Bon, bref, du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Donc, si vous voulez connaître la suite de la série, le moment où j'affronterai mes pires ennemis dans le Nether, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, et surtout, de regarder les vidéos. Allez, bye bye, c'était Archie.